الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فما دونه شيء هو سبحانه وتعالى لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأرشد هذه الأمة وأخرجها من الظلمات إلى النور وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد إخواني وأحبائي في الله، مازلنا مع العبد الصالح لقمان عليه السلام ورضي الله تعالى عنه. Mes chers frères, nous continuons notre sujet avec ce serviteur d'Allah subhanahu azza wa jal, le pieux, ce serviteur d'Allah subhanahu azza wa jal, dont Allah ta'ala il a été satisfait d'eux, jusqu'à qu'Allah ta'ala il a évoqué dans le Coran. Ayyuha al-ikhwa, ba'dama dhakarna wa abdadana durusuna wa kalamana fima yata'allak bi luqman, anna awwala shay bada'a bihi luqman an yu'allami minahu, allamahu an yajtaniba shirk. Mes chers frères, si vous vous rappelez bien, on avait dit dans les cours passés que la première des choses qu'il avait commencé, Luqman, à enseigner à son fils, à enseigner la chose la plus importante dont tu as été écrit pour, il lui a appris l'unicité. Mais avant l'unicité, il lui a appris à s'écarter de toute adoration autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Allamahu an yajtaniba shirk. Il lui a appris à s'écarter et éviter l'association. Ensuite, il lui a appris لقمان أصن فيس نقطة الثانية علم لقمان ابنه أن يكون برا بوالديه. Il lui a appris tout en évitant الشرك l'association, en prenant soin des parents, surtout le père et la mère, mais surtout la mère, de prendre soin d'eux, de leur faire dua, de s'humilier à eux, de se rabaisser à eux, parce que c'est ces parents-là, wujuduka, son existence dans ce bas monde-là, c'est grâce à tes parents. Ton existence au jour d'aujourd'hui, ici, présent, c'est grâce à tes parents. C'est pour ça que tu leur dois un très grand devoir, comme Allah Ta'ala l'a cité dans le Coran. Tu leur dois de les obéir, même s'ils sont kofars, tu ne les obéis pas quand ils t'ordonnent de pas pratiquer la religion. Tu ne les obéis pas. Après ça, mes chers frères, nous avions attaqué le troisième point et nous avions dit que Luqman allama ibnahu al-muraqaba. Il lui avait appris, Luqman, il a appris à son fils la surveillance. Sache mon fils que tu es surveillé. Sache mon fils que tu es contrôlé. Mon fils, si tu sais que tu es surveillé, contrôlé, ne fais pas n'importe quoi. Mon fils, adore Allah. Mon fils, obéis à Allah. Mon fils, approche-toi d'Allah. Sache mon fils que tu es surveillé. وهذا تكلمنا عليه في الجمعة الماضية. أيها الإخوة, اليوم إن شاء الله نتكلم وندخل في الموضوع أن لقمان عليه السلام يعلم ابنه أن التوحيد وحده لا يكفي. Mes chers frères, écoutez bien aujourd'hui. Lokman عليه السلام, il va enseigner et apprendre à son fils que التوحيد, tout seul, l'unicité, sans acte, sans œuvre, لا يكفي, ça ne suffit pas. لأن الإيمان العلماء علماء أهل السنة ليس علماء الفرق. علماء أهل السنة قديما وحديثا. Tous nos ulama, tout le consensus des savants qui sont dans la sunna disent « Ma huwa l'iman ?» C'est quoi les piliers de l'iman ? C'est quoi les conditions de l'iman ? Que tu prononces avec la langue et que tu crois avec le cœur et que tu œuvres. « هذه هي ثلاثة شروط لا تنفك واحدة منهم. قال الشافعي إذا نقصت واحدة من هؤلاء الثلاثة لا يصح إسلام العبد. » L'imam al-Shafi'i dit « S'il manque un de ces trois que j'ai cités devant vous, l'islam de la personne n'est pas bon. » Prononciation avec la langue, croire avec le cœur et œuvrer. La Bouddha an ta'amal, l'anna nahnu ummatu amal. Nous sommes une communauté d'œuvres, nous ne sommes pas une communauté de parlotte. Nahnu laysa ummat al-kalam. Qala Allah ta'ala wa qul i'malu. Fasayyara Allah amalakum wa rasuluh. Wa qul i'malu, c'est un ordre d'Allah. Œuvrez. Combien de versets dans le Coran Allah ta'ala te dit inna alladhina amanu, tu es croyant, prouve-moi-le. Wa amilu salihat.
Des fois, Allah Ta'ala, il inverse, il te dit « Wa amilu salihan thumma amanu » œuvre tout en étant croyant. « Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huma mu'min ila akhir al-aya » Mes chers frères, l'œuvrer, ça fait partie de la foi. Ce n'est pas quelque chose qui est au dehors de la foi. « Ayyuhu al-ikhwa, hadhi nuqta muhimma jiddan. Al-a'mal hiya juz'un min al-iman. La tanfak anhu » œuvrer, ça fait partie de la foi. A'mal al-saliha fait partie de l'iman. والإيمان في بارتيد الأعمال الصالحة يجب أن نضني الدليل قال الله تعالى pour les compagnons الصحابة الذين صلوا تجاه بيت المقدس ثم ماتوا قبل أن تتحول القبلة il y a quelques compagnons qui ont fait la prière pendant un an et demi direction Jérusalem avant qu'on change la Qibla avant qu'Allah donne ordre de changer la Qibla direction la Mecque كثير beaucoup de صحابة ils ont prié direction القدس Jérusalem fait quand ils sont morts ces compagnons là Des compagnons ذهبوا إلى النبي قالوا يا رسول الله أصحابنا صلوا تجاه بيت المقدس كيف صلاتهم ضاعت أسكوا leur prière elle annulée فالله تعالى fait descendre un verset mais regardez ce verset là Allah تعالى il va employer le terme des œuvres le mot œuvre Allah تعالى il va employer le terme foi انظروا جيدا أيها الإخوة Allah تعالى ما قال وما كان الله ليضيع أعمالكم لا Allah تعالى هنا نطق وقال وتكلم بكلامه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم الله il a appelé la prière إيمان il a pas dit عمل il a pas dit œuvre il a appelé foi Allah تعالى il a appelé ici la prière foi pour te dire que les œuvres font partie de la foi c'est pas quelque chose que tu sépares وكذلك sur le fils de Nuh ماذا قال الله تعالى عن ابن نوح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل العمل هنا يعني الإيمان إنه عمل غير صالح فالله تعالى dans beaucoup de versets il a utilisé le terme des œuvres à la place de la foi et la foi à la place des œuvres pour qu'Allah تعالى il veut nous faire montrer que l'Iman c'est l'A'mal ولهذا أيها الإخوة قال الحسن البصري والحديث رواه الإمام أهل السنة اللالكائي في كتابه أهل السنة والجماعة فقال الحسن البصري écoutez cette parole de الحسن البصري قال ليس الإيمان بتمني ليس الإيمان بتمني لا فوا سي با كلكو شوز كو تو اسبير سان ريان فير ليس الإيمان بتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل مي لا فوا سي كلكو شوز كي رانتر دان لا كور كي رانتر دان لو كور اي لي زوفر ان دون لا بروف والاعمال برهانك تعمل هذا دليل على ايمانك ما تعمل ايمانك ما عندك ليس ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وقال الحسن البصري وان قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل شوف كلام الحسن البصري هذا يكتب الذهب الحسن البصري عجيب سي باغول لا يجي لا فوا سي با كلكو شوز كو تو اسبير سان اوفري لا فوا سي سكي رانتر افيك لو كور دان لو كور اي تو لو بروف افيك تيز اوفر يا دي جان وان قوما يا دي جان Ils sont rentrés dans l'espérance. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'espérance en disant on est croyants, sans œuvrer, mais allez, je les croyants. Ce qui compte, c'est le plus quand tu as l'amour d'Allah et Rasoul dans le cœur. Le plus important, c'est quand tu ne fais pas du mal. Al-Muhim, Shaitan, il est rentré par cette porte pour leur dire n'œuvrez pas. Et je vais vous citer le hadith des gens qui n'œuvrent pas. Jusqu'à qu'ils sont sortis de dunya, ils n'ont aucune hasana. Pourquoi ils n'ont aucune hasana? Parce qu'ils n'ont pas œuvré. Ils n'ont pas œuvré. Et tout en sortant de donner, ils ont dit, nous, on doute que d'Allah, on doute d'Allah que du bien. Al-Hassan al-Basri répond à ces gens-là, Kadhabin, vous êtes des menteurs. Vous vous prétendez douter sur Allah du bien. Si vous prétendiez douter sur Allah Ta'ala du bien, vous auriez œuvré. Parce qu'Allah, il vous dit dans le Coran, œuvré. Wa kadhabu, law ahsanu al-dhanna la ahsanu al-amal. Ils auraient œuvré. Walakin hadha laysa bi-sahih. Walihadha ayyuhul ikhwa. Ja'a fil hadith al-sahih. رواه الإمام أحمد والترمذي اسمع جيدا إلى هذا الحديث الذي يرويه أبي هريرة ماذا قال؟ قال الشيطان يقعد لأحدكم بأطرقه ثلاثة رد بالك attention ce hadith الشيطان il s'assoit il vient il te fait obstacle dans trois passages ثلاثة بأطرقه ثلاثة écoute bien ces pièges comme ça dès que tu viens dans ce chemin tu t'armes تتسلح Parce que Shaitan, Rasoul Sim, il va te mettre en garde. قال que Shaitan يقعد. أول obstacle il te met quand quelqu'un va rentrer pour l'islam. أول طريق يقعد الشيطان عن طريق الإسلام. يقول لك سبحان الله.
شيطان يقول لك تسلم وتدع دين آبائك وأجدادك tu rentres dans l'islam et tu laisses tomber la religion de tes ancêtres et de tes parents la vraie religion c'est la religion de tes ancêtres et des parents ne rentre pas dans cet islam il est pas bon il regarde les gens la preuve ils y sont rentrés ils sont pas bons ne les écoute pas ne les crois pas ne rentre pas si Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé et tu as frappé cet obstacle avec ton pied إذا الله تعالى هداك ويسر لك الأمر وأسلمت فهو يأتيك يقعد لك ويضع لك عرقلة ثانية et te met un deuxième obstacle et te vient يقول لك bon ça va tu veux devenir musulman alhamdulillah n'immigre pas reste avec tes confrères mécréants ils sont bien ils te respectent tu les respectes ils ont leur religion tu as ta religion d'accord ils ont la religion tu as ta religion eux ils aiment bien que tu acceptes leur religion mais eux ils veulent pour dire pas t'acceptes ils n'aiment pas accepter ta religion Mais on vit ensemble, tous ensemble, d'accord ? Toi, tu tolères notre religion, mais nous, on ne tolère pas ta religion. فَإِذَا أَنْتَ قَالَكَ الْعُلَمَا Quand tu peux, tu as le choix, pars. Ne reste pas dans un endroit où, attention, je le précise, où قَالُوا جَمِيعَ الْعُلَمَا أَهْجُرْ لَا تَبْقَى فِي مَكَانٍ لَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَظْهَرَ فِيهِ دِينِكَ لَا أَنْتَ وَلَا أَهْلِكَ Maintenant, si tu peux pratiquer ta religion, Si tu peux pratiquer ta religion dans le pays mécréant où tu es, tu as la permission de rentrer, c'est pas si bien. Tu as la permission d'y rester, comme ils le sont restés les compagnons quand ils sont partis en Abyssinie. Il n'y a pas de problème, tu mets ton kamis, il n'y a pas de problème. Ta femme elle met le djilbab, il n'y a pas de problème. Ta femme elle met le sitar, il n'y a pas de problème. Tes enfants ils vont en kamis à l'école, il n'y a pas de problème. Reste dans le pays où tu es. Mais le problème, la catastrophe totale, si tu parviens à un stade où tu ne peux pas pratiquer ta religion, Allah Ta'ala te le dit dans le Coran, pars. Et si je ne veux pas partir, ça veut dire que je meurs kafir si je n'ai pas envie de partir. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ Les gens qui peuvent immigrer, الَّذِينَ يَسْتَطِعُونَ الْهِجْرَ وَلَمْ يَهْجُرُوا فَلَمَّ يَتِيهِ الْمَوْتُ Quand il te vient la mort en France ou en Angleterre ou peu importe le pays où tu es, تأتيك الملائكة تقبض روحك وهي متأسفة منك مشمئزة منك. Les anges viennent te prendre ton âme en étant déçu de toi. Qui c'est qui les a envoyés en étant déçu? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم avant de te prendre ton âme, ملك الموت يتكلم معك. قالوا فيما كنتم où vous étiez? قالوا كنا مستضعفين في الأرض. On était faibles. On était en France, et on pensait à l'RMI, c'était bien, et on pensait à le social, c'était bien, mais on ne pouvait pas partir. قالوا مستضعفين في الأرض. Les anges vont répondre, ألم تكن أرض الله واسعة? La terre d'Allah Ta'ala n'était pas vaste. La terre d'Allah Ta'ala n'était pas vaste, même si tu ne pouvais pas partir dans un autre pays musulman. Tu pouvais partir dans un autre pays mécréant, tu peux pratiquer ta religion. ألم تكن أرض الله واسعة? Et j'ai pas envie de finir le verset, parce que le verset est catastrophique si tu le finis. Lisez-le. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit à la fin du verset? Que ceux qui peuvent immigrer parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer leur religion et ils ne partent pas et ils restent dans la situation où ils sont, ils ne peuvent pas pratiquer leur religion, lisez le dernier verset. فَالشَّيْطَانْ هُنَا يَعْتِكْ يَقُلِكْ لَا تَحْجُرْ Ne pars pas, tu laisses ta terre, la terre de tes ancêtres, non. فَإِذَا أَنْتَ tu pars, tu dis non, c'est ma religion, comme celui qui a tué 99 personnes. Non, je ne peux pas rester ici, j'arrive pas, j'avance pas mon frère. J'avance pas, je stagne. انا ما استطيع ان استمر وما استطعت ان تقدم ماذا قدمت للدين ما تقدمت ولا قدمت ولا قدمت زوجتي ولا اولادي ما فعلت شيء فاذا الحل ما هو يلا جرب مكان اخر اسي ان اوتر اندرو فاذا انت الله تعالى هداك وهجرت فياتيك الشيطان ويقعد لك في باب الجهاد جهاد النفس والمال اي سي توا tu as immigré Tu as battu Shaitan, tu dis moi je pars pour la religion, je suis prêt à tout faire. Il te vient dans le djihad. Tu vas faire des efforts dans le din. Oh, tu sais que tu as fait beaucoup déjà. Tu es rentré dans l'islam et tu as immigré. Qu'est-ce que tu veux faire des efforts encore dans le din? Tu veux faire des efforts quoi? Tu veux faire des efforts dans le din? Ça suffit comme tu es dans. MashaAllah. La tasma' lahu. Innahu khadda'. Ne l'écoute pas, c'est un traître. C'est ton ennemi comme Allah Ta'ala t'a dit. Avance. Avance. Taqaddam wa qaddim li din Allah hatta al-maut. Avance. Tant que tu peux faire le bien, fais-le. La tasma' li shaytan. Li'anna shaytan, il sait pourquoi il te dit ne fais pas ça. Et pourquoi? Li'anna min ajli hadha khuliqt. Qala Allah Ta'ala, hadith qudusi,
رواه الترمذي عن أبي هريرة وهو صحيح. ماذا قال الله تعالى في الحديث القدسي؟ Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit dans ce hadith divin? Je suis pas encore entré dans les paroles de Luqman. C'est juste pour vous faire une préface. قال الله تعالى يا ابن آدم fils d'Adam. شوف الله ما سماك باسمك. Allah il t'a pas appelé par ton nom. Il t'a appelé par ta descendance pour te faire montrer regarde de qui tu descends. انظر من من أنت ابن من. الله تعالى يقول لك يا ابن آدم. Tu sais c'est qui ton père Adam? Adam, ya ibnuhu, toi le fils, tu es censé ressembler au père. Anta mafrut tatashabbah bi abik, li'anna abaka kana nabiyyan saliha. Regarde ce qu'Allah Ta'ala te dit, ya ibn Adam, tafarrag li'ibadati, fils d'Adam, libère-toi pour la religion, libère-toi pour l'adoration, je t'ai créé pour ça. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyusallun. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَذْكُرُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. L'adoration, c'est tout. C'est le Coran, c'est les invocations, c'est la prêche, c'est tout. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Que pour m'adorer. Et Allah Ta'ala est obligé dans le hadith que je cite tout à l'heure. Il te dit, si tu sais que je t'ai créé pour m'adorer, donc libère-toi. تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي Et moi, je t'encourage. قال الله تعالى املأ صدرك غنى je remplis ton cœur de richesse, richesse côté foi, richesse côté certitude. انا املأ صدرك غنى يعني قلبك اعطيك اليقين واعطيك القناعه واعطيك الخوف واعطيك الخشيه واعطيك الرجاء واعطيك كل الصفات التي تنبغي ان تكون فيك. املأ صدرك غنى واسد فقرك et je te ferme la porte de la pauvreté. انت تخاف si tu te libères pour l'adoration de tomber dans la pauvreté, Allah il se porte garant. وَأَسُدُّ فَقْرَكَ Je te ferme la porte de la pauvreté. Jamais tu tomberas dans la pauvreté. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ Allah Ta'ala te dit, mais par contre, si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas quoi? Si tu ne te libères pas, c'est pas si tu ne fais pas la prière. Non, si tu ne te libères pas. إِذَا أَنْتَ لَا تَتَفَرَّغْ لِدِينِ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا Je remplis tes mains de préoccupations. Comme c'est le cas de beaucoup, de musulmans dans le monde. أَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنَاءً أَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ Et je ne te ferme pas la porte de la pauvreté. أيها الإخوة الله سبحانه عز وجل أمرنا أن نعمل لهذا الدين العظيم. الله سبحانه عز وجل nous a ordonné combien de versets Allah Ta'ala dit إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Combien? Combien de versets Allah Ta'ala te dit? Une sourate dans le Coran, une sourate. هي صغيرة متمكن لكل واحد منكم أن يتعلمها ويحفظها حفظا مضبوطا جيدا. Si une surah est très petite, قال الإمام الشافعي, s'il n'aurait descendu de tout le Coran que cette surah, elle aurait suffi. Elle aurait suffi pour rendre le conscient conscient. لو أنزل الله تعالى هذه السورة لكفات وكانت حجة على صاحبها. ما هي هذه السورة؟ والعصر. الله يجور sur le temps. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. Chaque personne, il est dans la perte. كل واحد في الخسارة. والله يقسم بالعصر سي لو طون لو بلوز ايمي عند الله والعصر والعصر الله خلق ادم في العصر الى فان دو مون سسرا العصر العصر سي لو طون لو بلوز ايمي عند الله يا الله تعالى تجي واذكروا الله بكره وعشيا الله لام سي طون ولهذا اقسم الله بالعصر والعصر ان الانسان لفي خسر توكيدات ان الانسان لفي خسر Tous les gens ils sont doués à la perte. Rahin al-khasara. Illa. Sauf. Illa al-lazina tahallu bi sifat kama tahallu biha ashab Rasulillah. Illa. Illa al-lazina amanu. Ceux qui ont cru en Allah. Amanu. Ils ont prouvé. Wa amilu salihat. Et ils ont encore prouvé. Wa tawasaw bil haq. Ils ont prêché le bien. Wa tawasaw bil sabr. Prends le verset contraire. As-sabr. As-sabr. Il te laisse entretenir la prêche. الصبر يجعلك تحافظ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجعلك تحافظ على الأعمال et la prêche elle t'aide à conserver les actes, les œuvres. Si tu arrêtes la prêche, tu vas arrêter les œuvres. خذها قاعدة. Si tu arrêtes la prêche, comme c'est le cas de beaucoup de musulmans, on va arrêter les œuvres, on n'œuvre plus. La preuve, dans toute cette mosquée des 300, 400 qu'on est là, combien y en a qui prêchent la nuit? كم واحد منا يصلي في الليل كم واحد منا يصوم الاثنين والخميس؟ كم واحد منا يزور الموتى؟ كم واحد منا يزور المرضى؟
كم واحد منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ كم؟ هذا كله بسبب ضعف الإيمان، وضعف الإيمان تطرق بسبب ضعف الأعمال. À cause de tout ça, faiblesse de foi. Et faiblesse de foi, ça a engendré la faiblesse des actes. La faiblesse des actes, elle a engendré, on a arrêté la prêche. Arrêté la prêche, on a perdu le bon comportement. ولهذا هنا لقمان عليه السلام va apprendre à son fils. ويقول له يا بني يا ابني. Une fois que tu as su qu'il ne faut pas associer Allah, بعدما علمت يا بني أنه لابد أن لا تشرك بالله شيئا لابد أن تعمل. فقال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Regarde quatre qualités, quatre ordres avec des interdictions. Regardez لقمان ماذا يعلم ابنه. Est-ce que je vais citer devant toi? Dis-moi si toi tu l'as fait un jour avec ta fille ou ton fils. قال له لقمان يا بني mon fils أقم الصلاة أقم. Il ne veut pas dire صلي. Il ne veut pas dire fais la prière. Nuance. Il y a une différence entre fais la prière ou aqimi salat. Aqimi salat, comme a dit le Cheikh Salih ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh. Aqimi salat, ça veut dire fais la prière avec ses conditions et avec ses obligations et avec ses sunnahs et en t'écartant des interdictions. Aqimi salat, يعني أن تقيم الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وأن تبتعد من منهياتها. هذه هي إقامة الصلاة. إقامة من القيام أن تقوم بالصلاة أن تصلي كما الله تعالى ذو. يا بني أقم الصلاة. ما هي الصلاة؟ كيف الله تعالى جي سوغ الصلاة؟ Je veux pas trop rentrer est-ce que c'est musulman, c'est pas musulman. أريد أذكر لكم حديثين أو ثلاثة على الذي يصلي. قال الله بعض الآيات قال الله تعالى إذا كان الإنسان يصلي فهذا سيدخله الجنة. بأي دليل؟ بأي آية؟ قال الله تعالى الذين يحافظون على الصلوات les cinq prières أولئك هم الوارثون. C'est ces gens-là qui vont hériter. يرثون من الوراثة. يرثون ماذا؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. C'est ceux qui vont hériter le plus haut paradis qu'on appelle le Firdaus. Regarde, nous aujourd'hui, qu'on ne donne pas de l'importance à Salat. Al-Salat taj'aluka fil Firdaus. Al-Salat taj'aluka fil Firdaus. Deuxièmement, قال الله تعالى الذي يصلي عمره ولا يكون خاسر. Celui qui fait la prière, jamais il sera à la perte. Jamais. Subhanallah. Naam, قال الله تعالى, le premier verset dans Sourate les croyants. قد أفلح المؤمنون. Les croyants, ils sont dans la réussite. Et regardez la première qualité qu'Allah il a citée aux croyants. قد أفلح المؤمنون أول صفة ذكرها الله تعالى للمؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Troisièmement, إذا أنت تصلي mon frère, je te dis tout ça parce que c'est pénible, c'est dur, il fait chaud, c'est loin, لكن accroche-toi. Je suis en train de te citer les hadiths des mérites de la prière pour que ça t'encourage. الذي يصلي, je te dis, il est dans la réussite. الذي يصلي, il a le paradis. Troisièmement, الذي يصلي الله يرحمه. Celui qui fait la prière, Allah Ta'ala lui fait miséricorde. Allah يرحمه رحمة في الدنيا والآخرة. بأي دليل؟ قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Regarde là à la fin du verset. أولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمهم الله. ولا تنسى يا حبيبي mon frère, لا تنسى لما تخرج من قبرك لما tu vas sortir de ta tombe أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. La première des choses qu'on va juger la personne le jour du jugement. Et là vous allez vous poser la question, eh bien, Allah il va nous juger sur l'unicité. Ça je vous laisse la réponse la chercher vous-même. En principe Allah il va nous juger sur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ولكن regarde ce qui dit الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة الصلاة. Et le prophète il le dit avant de mourir, c'est les dernières paroles avant de mourir الرسول. وصية النبي قبل موته بدقائق يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. La prière la prière, prenez soin des esclaves. La prière la prière, prenez soin des esclaves. يعني la prière et le bon comportement.
avant de mourir, le Rasoul lui wassina, as-salat le bon comportement. Al-Rasoul, as-salat le bon comportement. Hatta tawfi ya Rasoul. Regardez l'importance de la prière. As-salat muhimma jiddan. Jusqu'au point, ayyuh akhi, hatta ta'lam akhi, anna Allah ta'ala il a fait déranger le prophète, le voyage nocturne, l'Isra wa al-Mi'raj, atahu Allah ta'ala fardiyat as-salat fawqa sama' as-sabi'a. Allah il a donné l'ordre de la prière où? Dans le ciel. C'est pas Jibril qui est descendu. ليس جبريل الذي نزل بها فرضية الصلاة الله فرضها فوق السماوات السبع. Dans le ciel, voyage nocturne, بدون واسطة, sans intermédiaire. ما كان جبريل هناك, كان بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخي, la prière c'est très très important. حتى قال العلماء أيها الإخوة, قال العلماء الذي لا يصلي, celui qui fait pas la prière. جمهور العلماء قالوا peut-être, اسمع bien ce que je dis, je précise mes paroles, peut-être qui meurt musulman, c'est des avis des savants, هذا بعض العلماء ذكروا ذلك, peut-être qui meurt musulman, ولكن لا تنسى أنه على خطر عظيم, il meurt sur une catastrophe énorme, خطر, un danger énorme. Ne croyez pas que les ulama, ils ont dit, ouais, il meurt musulman, ça veut dire que tu te la coules douce, je vais mourir musulman, je vais rentrer au paradis. Attention, tu meurs un danger énorme. وبعض العلماء الآخرين ذهبوا إلى أنه كافر. Et les autres groupes de savants, ils ont dit, celui qui ne fait pas la prière, ليس بمسلم. Ce n'est pas un musulman, ne te casse pas la tête. Tu as beau dire ce que tu veux. تسأل الآن المسلمين ما يصلون. Tu vas demander aux femmes et aux hommes aujourd'hui qui passent dans les médias ou dans la télé. Tu es musulman toi? Tu dis oui, je suis musulman, je ne suis pas pratiquant. Hadji, musulman pas pratiquant? Moi je ne connais pas moi ça, musulman pas pratiquant. Moi je connais, prouve-moi que tu es musulman pas pratiquant. Ben je dis la ilaha illallah. Ça veut dire quoi la ilaha illallah? Ma ma'na la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Il y a un point de Dieu qui existe, il n'y a que Allah? Hadi ya ma'na la ilaha illallah? La ilaha illallah ça parle d'adoration. La ilaha illallah ça veut dire point de Dieu mérite d'être adoré. Adoré, on parle d'adoration, d'un acte, d'une œuvre. On ne parle pas d'une théorie de croyance ou pas croyance. Idan, idan, si c'est ça, vous dites que alladhi la yusalli muslim, c'est ce que vous dites. Vous dites alladhi la yusalli muslim. Alors explique-moi pourquoi Shaitan c'est un kafir. Il s'est pas prosterné? Il s'est pas prosterné. Ma sajada lillah. Oui ou non? Ma sajada lillah. Limadha hakama Allah alayhi bil kufr? Pourquoi Allah l'a condamné? Il lui a dit tu es un mécréant. Pourquoi? Ma'anahu ma salla faqat. Ben ne prenez pas ce sujet à la légère. Je dis surtout aux frères qui marient. Même si tu vois, toi, ton opinion, que celui qui ne prie pas, c'est musulman. Même si tu vois ton opinion. Par punition, ne le marie pas. Muslim. Et toi, frère, je te le dis, on est dans la mosquée, dans la maison d'Allah. Tu veux te marier avec n'importe quelle sœur. Qu'elle ne porte pas le hijab au début, bon, ça c'est à toi de voir. Voilà qui minimum, prend une femme qui a minimum crainte d'Allah. Qui dit crainte d'Allah, salli. Subhanallah. Tu vas fondre ta famille avec une femme qui ne craint pas Allah. Ça va être la mère de tes enfants? Toi, tu rentres les hasanats à la maison, elle te rentre les péchés? Toi, tu rentres les anges à la maison, elle te rentre les djinns, shayatin? Tu vas fendre ta famille avec une femme comme ça? A'oudou billah. Elle te dit oui, non, mais franchement, j'y pense. Eh bien, Inch'Allah, pense bien. Quand tu y penseras, moi, je penserai à me marier avec toi. Clair, net. Non, mais je t'assure, j'y pense. Moi aussi, j'y pense. J'y pense, oui, moi aussi. Moi aussi, j'y pense à me marier avec toi, mais quand tu deviendras musulmane? Comme ça. On l'a fait à beaucoup de frères, ça. فلهذا أيها الإخوة مينيموم براين فام الذي تخاف الله يعني بمعنى تصلي ولهذا لقمان عليه السلام إلى انسيس إلى جيلة بخمير دي شوزة صنفيس قال له يا بني أقم الصلاة ثم قال له وأمر بالمعروف بخش لبين يا منفيس بخوا لماذا لأن شاك فوق كتو بخش توا لبين ساسا تنكوراج توا أكونتنوا أوفغي دي بين كل ما أنت تأمر بالمعروف تأمر الناس بالخير فهذا يشجعك أنت تبقى تعمل. Parce que toi-même, tu vas dire comment? Moi, je lui dis hier, fais la prière, moi, je ne la fais pas. Comment? Hier, je lui disais ça, c'est haram, moi, je vais le faire. Ça va t'encourager, toi, à pratiquer. Ça va t'encourager à faire. ولهذا قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعلك يحافظك تحافظ على إيمانك. Prêcher le bien, interdire le mal, ça t'aide à entretenir ta foi. ولهذا هنا لقمان لو دي مون فيس بريش لو بيان بريش لو بيان
C'est ce qu'Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-Asr que j'ai cité tout à l'heure devant vous. قال الإمام السعدي هذا العالم الرباني رحمه الله وتغمده الله برحمته. قال الإمام السعدي, c'est le professeur de Cheikh Ibn Uthaymeen. يقول الإمام السعدي هذا العالم يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات tu t'alimentes à toi. هذا لك أنت. هذا لك أنت. إيمان الأعمال تفيد بها نفسك أنت. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. C'est pour alimenter tes autres. Tu kammin, ikhwanak. Parce que toi, dans surat al-Fatiha, tu dis ihdina. À moins que toi, tu lis notre surat al-Fatiha. Dans surat al-Fatiha, il y a ihdina. Guide-nous. Pourquoi tu dis nous? Donc, pour guide-nous, tu as besoin de prêcher les nous. Prêche-les. Wa lihad Allah Ta'ala dit wa tawasaw bil haq. Ya'ani, wassi wa nas bil haq. Prêchez les gens dans la vérité. Patientez. Allah, il nous dit patientez, vous allez être critiqués. On va vous scier les jambes. On va vous dire, tu as vu hier, tu prêches chez toi, ta soeur, elle est civilisée. Toi, tu viens me parler, ta mère, elle fait pas la prière. Toi, tu viens me parler, toi, ton frère, il vend la drogue. Toi, tu viens me parler, toi, hier, tu buvais l'alcool, maintenant, ça y est, tu as fait deux jours la prière, tu vas. Oui, Allah, il t'a déjà préparé. Oui, ils vont te critiquer. Naam, ils vont te critiquer. Voilà qu'il ne faut pas que ça soit une cause que toi, tu arrêtes l'ordre d'Allah. Rabbi galak balligh. Rasoul, ça, c'est, ils ont critiqué de tout. Tu es mieux que Rasoul, hein, Rasoul on dit menteur, Rasoul on dit sorcier, Rasoul s'est mélangé, c'est le menacer, Rasoul l'ont tué. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous cite les histoires des prophètes? Maza fa'alu bihim. Il y a même des prophètes qui les ont sciés en deux, il y a des prophètes qui les ont décapités. Kan ba'd al-anbiya quti'u ru'usahum ba'd al-anbiya shaqquhum ila qisfayn nisfayn. Ma'a dhalik ma tawaqqafu 'an ad-da'wa. Fa tu seras critiqué, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitab wa min alladhina ashraku adhan kathira. Ne fais pas attention à ça. Dis oui, hier je buvais 2 litres d'alcool. Aujourd'hui Allah m'a guidé. Alhamdoulilah, ce que je sais, je te prêche. Alhamdoulilah. Moi devant Allah, alhamdoulilah, moi je suis là pour satisfaire Allah. Tu veux accepter de moi, tu acceptes, tu veux pas accepter de moi, alhamdoulilah, moi je sais qu'Allah me récompensera. Hakaza yakun jawabak. Tu as de compte à rendre à personne. Tu travailles pour Allah. Mets-toi-le dans la tête. Anta amil lillah. Tu travailles pour Allah. Tu pries pour Allah. Tu donnes sadaqa pour Allah. Ta hujju bayt Allah pour Allah. Tu zakki pour Allah, tahiyatu lillah, zakiyatu lillah, tayyibatu lillah, salawatu lillah, tout pour Allah. Khali critique, goulou frappe-toi la tête contre le mur, critique à la rahouk. Tu me touches moi en critiquant, tu me touches pas. Ma soeur elle est civilisée, elle veut, Allah il a pas guidé, mais toi je peux me permettre de te parler. Ma soeur, je la prêche, j'attends qu'Allah il la guide. Et ma mère elle prie pas, j'attends qu'Allah il la guide. Et mon père il prie pas, j'attends qu'il le guide. Et mon frère, mais toi ça me permet de te parler. L'autre alayhi salam, l'autre... Il a été envoyé en Jordanie, il n'y a que ses filles qui ont cru en lui. L'autre, le prophète, l'autre, il n'y a que ses deux filles qui ont cru en lui. Ni sa femme, elle a voulu croire en lui, ni son village, ni personne. Hatta qala an-nabi wal hadith fi al-Bukhari, ya'ti an-nabi wa laysa ma'ahu ahad. Il viendra le prophète le jour du jugement, il n'y aura personne avec lui. Ma fi ahad itba'a hadha an-nabi. Il n'y a personne qui a suivi ce prophète. Mahlish. Hal Allah ta'ala sayudhayya hadha an-nabi? Est-ce qu'Allah Ta'ala va dire à son prophète le fait que tu es venu avec personne, tu as guidé personne, ben je ne te récompense pas? Là, هذا النبي قام بواجبه. Il a fait son travail, après il a guidé, c'est dans les mains d'Allah. Rasoul a prêché, son oncle ne l'a pas prêché. Combien de temps Rasoul Sallam da'a ammahu, comme Abu Talib, ya ammi, ya ammi, ya ammi, ya ammi, ya ammi. Allah Ta'ala yaqul al-Nabi, innaka la tahdi man ahbabt. Voilà. Innaka la tahdi man ahbabt. C'est tout. Et alors il est mort kafir Abu Talib. Fala guider n'est pas dans notre main à nous, elle est dans les mains d'Allah. Hatta qala Allah Ta'ala, ne désespérez pas, ne rentrez pas dans le domaine de la guider. La tadkhulu fi hadha al-maydan. Wa law sha'a Allah lahada an-nas jami'a. Si Allah veut, il aurait voulu le guider le monde entier. Wa law sha'a Allah, ne rentre pas dans le domaine de la guider. La guider c'est un domaine qui appartient à Allah. Hadha majal Allah. Huwa alladhi yahdi man yasha. ويذل من يشاء ويعز من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء وهو بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Il fait ce qu'il veut quand il veut où il veut. فلقمان عليه السلام dit à son fils يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف prêche. إذا أنت تدعو أي واحد à faire quelque chose, إذا أنت تدعو إنسان ويقوم هذا الإنسان بهذا العمل فلك الأجر كذلك. Chaque fois que tu prêches quelqu'un, ce quelqu'un a fait ce que tu lui as dit, il est récompensé lui et toi. Man dalla ala khayrin falahu ajru fa'ilihi. Tu as la même récompense. Et de l'autre côté, Allah Ta'ala dit, si vous prêchez pas le bien, si vous interdisez pas le mal, vous me demandez,
vous accepte pas. قال الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوه فلا يستجاب لكم. Si vous arrêtez la prêche, Allah تعالى لا يتقبل دعاءكم. Il te vient, frère, tu dis, mon frère, والله, je fais, Allah, il n'accepte pas. Je sais qu'Allah, il n'accepte pas ton dua. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté la prêche. Qu'est-ce qui fait la prêche maintenant? Les sectes. Qui c'est qui fait la prêche maintenant? Des groupes. Qui c'est qui fait la prêche maintenant? Shaitan et son groupe. Amma anta mu'min, mashallah, le bon musulman qui est dans le droit chemin, ahle sunna, tu es où? Ce petit temps libre que tu as là, tu es où? PlayStation, PSP, DS, football, télévision, je sais pas quoi. Pourquoi? Quand on a laissé le champ libre, ils sont venus les gens, ils ont dit, eh ben écoutez, vous les gens qui êtes dans la vérité, vous voulez pas le faire? Eh ben nous, les gens qui sont dans le faux, on va le faire. Et c'est pour ça qu'à ce moment, on voit que du faux. Et là, nous, تخلينا عن هذا المكان جاء الذي لا يستحق هذا المكان فماذا فعل فيضل نفسه ويضل الآخرين ولهذا مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوه فلا يستجاب لكم. Parmi les choses qui font qu'Allah t'accepte pas ton dua, si tu arrêtes la prêche. شوف الأعمال. لقمان يجي son fils prêche, صلي, هذا عمل. وأمر بالمعروف, هذا عمل. وانهي عن المنكر, هذا عمل. واصبر. Regarde ce qu'il dit لقمان à son fils. Mon fils, patiente. وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Et patiente, mon fils, de ce qui t'atteint. Pourquoi il lui a dit ça? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, قُلْتُ لَكُمْ الَّذِي يُبَلِّغْ دِينَ اللَّهِ سَيُؤْذَى الَّذِي يُبَلِّغْ دِينَ اللَّهِ سَيُؤْذَى. Celui qui prêche, on le critique. Ne t'inquiète pas. Et ça, c'est mine à shaitan. On le critique. Après, c'est toi, tu fais passer Allah, tu t'en fous de la critique. Ou bien tu es personne faible, tu dis non, moi les gens me critiquent, je préfère arrêter. C'est toi. Toi et ta foi. Fahuna Luqman, il dit à son fils, wasbir ala ma asabak, parce que patienter sur les problèmes, patienter sur les critiques, as-sabru ala al-adha, hadha min sabri ulul azmi min ar-rusul. Alladhi yasbir, yu'dhuhu an-nas, wa yasubbuhu an-nas, wa yashtumuhu an-nas, wa yatruduhu an-nas, wa yakadu yaqtulunahu. لكن هو يصبر فهذا صبر أولو العزم من الرسل نوح إبراهيم موسى عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. فرغم لقمان يجي son fils patiente parce que patienter comme ça quand on te fait du mal et tu patientes, ça c'est la patience des prophètes, les cinq prophètes qui ont eu la mission la plus difficile. Allah تعالى lui dit dans le Coran, إن ذلك من عزم الأمور. Ça c'est la patience qu'il a eu Ibrahim. Ça, c'est la patience qu'il a eu Moussa. Ça, c'est la patience qu'il a eu Jésus. Ça, c'est la patience qu'il a eu Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la patience qu'il a eu Nuh. Luqman, déjà, il prépare son fils. وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Ayyuhul ikhwa, nahnu ka mu'minin, Allah Ta'ala, il nous demande de œuvrer. تَعْمَلْ إِلَى الْمَوْتِ لَيْسَ يَوْمْ وَلَا يَوْمِينَ تَعْمَلْ إِلَى الْمَوْتِ فَجَاهِدْ. قال عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. Le guerrier, c'est celui qui combat d'abord son âme bestiale et la met dans le droit chemin. Parce qu'en ce moment, mon âme bestiale, elle fait de nous ce qu'elle veut. هي الآن تجرنا وتفعل بنا كما شاءت. Elle mange beaucoup et elle mange à toute heure et elle boit beaucoup et elle boit de toutes les qualités de boissons et elle dort quand elle veut et elle dort comme elle veut et elle dort où elle veut et elle fait ce qu'elle veut. Elle est en train de faire nefs de nous ce qu'elle veut. Voilà qu'Allah Ta'ala t'a dit dans le Coran, le jour où c'est toi qui lui écrases avec le pied, c'est toi qui la commande, sache que le paradis t'attend. قال الله تعالى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا. Il est interdit, regarde, Allah t'a dit وَنَهَا النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى. Il interdit son âme bestiale de suivre ses passions. وَنَهَا النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Sa demeure, c'est le paradis. Donc là, on a du travail à faire, ayyuhul ikhwa. وَهَذَا le travail, la Bouddha en œuvre. La Bouddha en na'mal. حَتَّى الْجَنَّةِ. Même le paradis. قال الله تعالى تِلْكَ الْجَنَّةُ أُورِثُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ça, c'est le paradis que vous avez œuvré avec vos œuvres. بِأَعْمَالِكُمْ. انظروا الرسول عليه الصلاة والسلام. Je vous donne juste cet exemple. انظروا الرسول عليه الصلاة والسلام. نبي. رسول. سيد الخلق. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Prophète. Messager. C'est la meilleure créature. Allah lui a pardonné tous les péchés futurs et tous les péchés passés. Et vous connaissez le hadith, vous le lisez, il est dans le livre des jardins vertueux, il est fait sahih muslim.
عن عائشة كيف قال جي يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه le prophète fait قيام الليل il fait tellement long قيام الليل jusqu'à que ses talons des pieds ils enflent تتفطر قدماه عائشة مسكينة elle a de la peine pour le prophète il dit Rasulullah pourquoi tu fais ça وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله يتفضلني tous les péchés يا رسول الله Pourquoi tu te donnes comme ça de la peine à faire des prières si longues jusqu'à que tu as mal et tes pieds gonflent Nous, nos pieds gonflent. On se foule les chevilles. On se fait des tendons, je ne sais pas comment vous appelez. On se fait le tibia. Mais vous savez, c'est pourquoi. Amma hada, il enfle, le prophète sallam, il enfle son pied. Regardez pourquoi. Pour qiyam al-layl. Aïcha lui dit, pourquoi tu fais ça, ya Rasulallah ? Qala afala akunu abdan shakura. Je veux être un remercieur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je veux être un serviteur d'Allah, ta'ala, qui le remercie. Urid akun abdan shakuran. Tu veux être abdan shakuran ? بالأعمال. Si tu veux être un serviteur d'Allah qui remercie Allah, فالله تعالى te dit œuvre. Si tu œuvres, tu me prouves que tu me remercies. لا إن شكرتم لا أزيدنكم. Ça c'est le prophète عليه الصلاة والسلام. Et si je vous donne des exemples des compagnons, qu'est-ce qu'ils œuvraient? Qu'est-ce qu'ils œuvraient? فقال جاء في الحديث الصحيح يؤتى بالرجل يوم القيامة ما عمل خيرا قط. On va faire venir le hadith du Bukhari. On va faire venir une personne le jour du jugement. Ma amila. Regardez le hadith, il revient. Il n'a jamais œuvré. Mais attends, s'il n'a jamais œuvré, il y a la foi, ça suffit. Non ! Ça ne suffit pas la foi tout seul. Regarde le hadith qui dit Ma amila khayran qat. Allah Ta'ala dit aux anges Regardez si au moins dans sa vie, il a fait un jour, il l'a fait. Ce n'est pas il a dit ou il a juste cru. Il a fait. Regardez si dans sa vie, il a fait un jour un bien. Fataqul al malaika na'am ya Allah. Un jour, il marchait dans la rue, il a trouvé une branche au milieu de la route. Il l'a enlevée pour pas que ça risque de nuire quelqu'un. وجد غصن شجرة في الطريق فأزاحه فالله سبحانه عز وجل غفر له وأدخله الجنة بهذا العمل. الله تعالى lui a pardonné, lui a fait miséricorde, il a fait rentrer au paradis par rapport à cet acte qu'il a fait. ولهذا أيها الإخوة هنا لقمان عليه السلام après التوحيد, il lui apprend les œuvres, il lui apprend le bon comportement. فنحن أمة عمل. الله تعالى يريد من العمل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى طول القرآن لغمبلي des œuvres et dans la deuxième خطبة je vais vous raconter une histoire très courte l'exemple des gens d'avant comment ils œuvraient et qu'est-ce qu'Allah سبحانه وتعالى leur a donné أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فإنه غفور رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أيها الإخوة نحن نقول العمل لهذا الدين ونحن نقول عمل للجنة nous on dit il faut œuvrer pour cette religion là et nous on dit il faut œuvrer pour le dîn quand on dit nous c'est-à-dire ce qui est cité dans le Coran par l'intermédiaire des prophètes etc فهذا الدين يتطلب منك العمل وأعطيك مثال على ذلك Des exemples au Tchana, qu'est-ce qu'ils ont fait les prophètes, qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons, Ratik Mithal Basit. Kana imam min al-aima muhaddith al-dunya, fi zamanihi ismuhu imam Abu Daoud. C'est l'élève de Ahmed ibn Hanbal. On l'appelle Sunan Abi Daoud. Muhaddith. Min a'lam al-muhaddithi al-bahr, fil hadith. Il s'appelle imam Abu Daoud, retiens son nom. Je vous donne cet exemple pour vous voir les gens d'avant, comme ils gagnaient le paradis, ils étaient prêts pour le paradis à tout. فَكَانَ فِي الْبَاخِرَةِ كَانَ عَلَى سَفِينَةِ وَهَذِي الْقِصَّةِ ذَكَرَهَا إِمَامُ إِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ وَذَكَرَهَا الْحَافِظِ إِبْنُ حَجَرِ فِي فَتْحِ الْبَارِي بِإِسْنَادِ جَيِّدًا Ça c'est une vraie histoire qui est racontée par Al-Hafiz, celui qui a fait la traduction de Al-Bukhari. Il a cité dans son livre. Il a cité un autre alim qui s'appelle Ibn Abd al-Barr. وَتَجِدُونَ هَذِي الْقِصَّةَ فِي جَامِعِ الْعُلُومِ جامع العلوم والحكم طيب ما هذه القصة c'est quoi cette histoire هذا المحدث هذا كان presque le degré de البخاري un peu moins mais c'était un grand محدث il était spécialisé dans le hadith فهذا أبو داود il était sur un bateau près du bord كان على أمطار من الساحل il était près du bord هكذا وكان على السفينة apparemment il se préparait pour aller en voyage فهو جالس في السفينة il était assis dans le bateau Enfin, il a entendu quelqu'un au bord de la mer de l'autre côté, Hagra, pas loin, à quelques mètres. Il a entendu quelqu'un, il a été remué. Afou! Faqala alhamdulillah.
La personne là, il a éternué. قال الحمد لله. فنزل أبو داود وكرى قولب. Il a loué une petite barque, comme vous appelez-vous. Une petite barque. Il a loué une barque bidirham. Comme tu dis nous aujourd'hui, un euro, pas d'importance. Dirham, à son époque. Dirham, un euro. Dirham, il a dit à la personne qui a une petite barque, prends-moi jusqu'à le bord, là, juste je dis quelque chose à l'autre, le frère, là, et je reviens. La personne, il a pris, jusqu'il est arrivé au bord, faqal à celui qui a éternué, il lui a dit, yarhamukallah. Vous savez, quand quelqu'un éternue, il dit, s'il ne dit pas, tu ne dis pas. Mais s'il dit, alhamdulillah, tu lui dis, yarhamukallah. Qu'Allah te fasse miséricorde. Mais s'il dit, alhamdulillah. Fahada, qal alhamdulillah, fadahaba l'imam Abu Daoud, fashammatahu. فقال له يرحمك الله فالرجل قال يهديكم الله ويصلح بالكم il lui a répondu فرجع الإمام أبي داود وركب السفينة في الليل cette قصه comme je vous dis révisée là في الليل ناموا le soir ils ont dormi ils ont entendu une voix dire aux gens qu'ils étaient sur le bateau tout en dormant il y en a qui dormaient il y en a qui étaient presque en train de dormir فسمعوا صوتا يقول Abu Daoud ishtara al-jannata bi dirham. Abu Daoud il a acheté sa place au paradis avec dirham. Wa yaqulun annahu sawt malak min al-malaika. Abu Daoud il a gagné sa place, il a acheté sa place, il a réservé sa place, emploie le terme que tu veux. Ishtara al-jannata bi dirham. Avec un euro. C'est pas difficile de gagner le paradis. Seulement il faut œuvrer. La Bouddha en ta'amal. Wa li hada yaqulu laka al-Nabi alayhi salatu wa salam. La tay'as. Ne désespère pas. Qalak alayhi salatu wa salam. Ne sous-estime aucun acte. La tahqiranna min al-ma'aruf shay'a. Ma tahqarsh ay amal. Ay amal ma tahqarouch. Balak hada kul amal yahi dakhlak al-Jannah. Balak al-Salam. Balak nihrit hajam al-Tariq. Balak awan shaykh kbir. بلك طاعتك للوالدين بلك إتيانك للمسجد بلك صومك بلك زكاتك بلك رمضانك بلك قرآنك بلك ذكرك بلك tu sais pas c'est quoi qui va te faire entrer au paradis قالك عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ne sous-estime aucun acte حتى قال le prophète même si tu ne peux vraiment pas ne serait-ce rencontrer ton frère avec un sourire يا عجبا le prophète te dit rencontrer ton frère avec un sourire ça te fait entrer au paradis ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق طليق يعني واسع متبسم تبسيم في وجه أخيك صدقة ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق le petit sourire que tu fais à ton frère il te fait rentrer au paradis لكن ce sourire c'est un œuvre ou c'est pas un œuvre c'est un acte ou c'est pas un acte c'est un acte هذه التبسيمة عمل وليس عمل عمل ولهذا أيها الإخوة نحن أمة أمة عمل فلابد أن نعمل ونعمل من كل الجوانب on fait tout Et on touche tout, il faut être polyvalent à tout, sauf dans des domaines que tu n'y rentres pas. Salli, zaki, saoum, fais tout ce qui peut dans ton domaine, sauf le domaine que l'islam t'a interdit. Par exemple, ne rentre pas dans le fatwa. L'islam t'a interdit de rentrer dans le halal et le haram, ce n'est pas ton domaine. Par exemple, de ne pas rentrer dans ci, de ne pas rentrer... Quand ce n'est pas dans ton domaine, tu ne rentres pas. Amma al-baqi, fa l'islam maftouh. Fa qala Ibrahim ibn Adham, Ibrahim, wahad, min kibar, أولياء الله صالحين شوفوا دي سايونا فيني إبراهيم ابن أدهم ذهب يدخل الحمام إلى فلو غنطقي دا الحمام فالجان يلو أمبشي يلو أنجي تو هاد لارجان قال لهم نو جاني با جو سوي ان بوفر ابن إبراهيم ابن أدهم هذا إلي كونيكس تيام إلي تي تري بوفر فجاء مسكين يدخل الحمام فقالوا له عندك أجرة تو ها بور كوا بيي قال لهم جي غيان قالوا له فاطون باغ فإبراهيم ابن أدهم إلى انسيستي قال لهم اتركوني حتى أغتسل قالوا له لا Tu as, tu payes, tu n'as pas. La porte elle est ouverte. Sarrah. Ibrahim ibn Adham, lama tawalla, il est parti quelque part en arrière, il dit, Ya Ajaba, subhanallah. Rentrer dans la maison de Shaitan gratuit, on m'y empêche. Et rentrer dans le paradis avec les prophètes et Siddiqin, rentrer avec le paradis avec Siddiqin, on ne le fait pas. Rentrer dans la porte de Shaitan, rentrer dans une maison de Shaitan, Hammam Ma'ruf, Baytu Shaitan. Rentrer dans le Hammam gratuit, on m'y empêche. Alors imagine le paradis qui est payant avec les œuvres. فَهَذَا مَكَانَ الشَّيْطَانِ مُنِعْتُ مِنْهُ فَمَا بَالِكْ جَنَّ الَّذِي فِيهَا الْأَنْبِيَاءُ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءُ
ندعو الله تعالى أن يرحمنا وإياكم وأن يجعلنا في هذا الدنيا نعمل صالحا ونؤمن إيمانا كاملا وأن الله تعالى يرزقنا يقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريض إلا شفيته ولا ميت إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوم إلا نصرته ولا مجبور إلا كسرته. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه تجدوه غفور رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله وقوموا للصلاة. الحمد لله.